touche pas à ma pute. Voici le slogan des 343 salauds autoproclamés. Des avocats, artistes ou encore des personnalités, tels que Frédéric Becbédé, Nicolas Bedos ou encore Éric Zemmour. Caramba, encore raté, hein, parce que c'était une belle occasion finalement que de reparler de cette taxe à 75%, mais avec le foot ça va pas le faire, hein, on a l'impression Emmanuel Dutheil. Non, là c'est vraiment un ballon qui va passer au-dessus du but. Oh oui. Vous m'avez lancé en me disant c'est une occasion ratée. Oh, j'y pensais même pas, c'est remarquable. Fuse le jeudi matin, comme ça. Ouais, papa, allez. Ici les filles de l'Est. Plus loin, celles d'Afrique. Là, les Françaises. Sur la promenade des Anglais, à chacune son territoire. Mais un point commun à la plupart d'entre elles, c'est sous la contrainte qu'elles se prostituent. C'était des bobos aussi, les salopes dans les années 70. Féministes. C'était des bobos, c'était des féministes. Le terme n'existait pas. Se faire avorter dans Gisèle... le fond d'une cuisine, avec un morceau de fer. Pistolet à la main, ce plongeur vise un requin. En quelques secondes, le squale s'échappe. Évidemment, il ne s'agit pas d'une arme à feu, mais d'un dispositif qui pourrait bien changer la vie des surfeurs et des plongeurs. C'est vrai qu'on pouvait avoir une sorte de sentiment de malaise, car encore une fois, pour beaucoup de Français, pour moi et pour ceux qui sont profanes, il s'agissait là de symboles de leur détention, de symboles de la situation, si vous voulez, d'esclavage quasiment, de privation de liberté dans lequel ils ont été. Du chocolat plongé à moins 196 degrés, pour un résultat spectaculaire.